Oui, forcément, frustré parce que c'est un derby, frustré parce qu'il y a la défaite. Et voilà, frustré aussi au vu du match, du déroulement du match. Bon, je pense qu'on faisait le match qu'il fallait faire. On était solide. Après, on n'a pas su avoir beaucoup d'occasions. C'est peut-être ça qui a pêché un peu. Paradoxalement, l'expulsion du Monégasque les renforce dans leur façon d'avoir un bloc bas, de défendre. Ils sont plus à l'aise dans cette configuration. Je pense qu'on méritait mieux sur ce match. Malheureusement, on n'a pas su marquer et eux ont été efficaces sur peut-être la seule action qu'ils ont en deuxième mi-temps. Donc ouais, il y a une grande frustration. Je pense que ça s'est ressenti après le match aussi, mais voilà, faut vite être lucide et se remettre au travail. En tout cas, je félicite mes joueurs qui sont très jeunes, mais qui ont montré quand même pas mal de maturité cet après-midi. Et chez le deuxième du championnat, à même dominer les débats. Comme on s'est dit, c'est pas la fin du championnat. On a perdu aujourd'hui, mais il va falloir continuer à faire les efforts. Et voilà, pour le prochain match, il faudra les 3 points si on veut continuer à rester sur le haut du classement. Il faut vite se reconcentrer, le championnat n'est pas fini, c'est encore long. Donc bien sûr, on est déçu. C'est vrai que c'est un match comme sur un match, un derby qu'on aimerait gagner, mais voilà, il y a d'autres matchs qui viennent qui sont aussi autant importants. Ils valent 3 points aussi, donc à nous de bien nous concentrer. On avait l'impression d'être chez nous quand on est rentré à l'échauffement sur la pelouse. Donc non, c'est vrai qu'ils ont fait le déplacement en nombre, les supporters, et c'est très bien pour l'équipe, pour les joueurs. On les a entendus tout au long du match et ça fait vraiment du bien de les sentir nous soutenir. Et on est déçus aussi par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils mettent en œuvre pour nous, et voilà, forcément déçus.